ils pourront déjà fêter avec leurs 100$ chacun. C'est pas 100$ pour tout le monde, hein. Non, non, ce sera 100$ chaque participant. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons continuer l'aventure Brunch Beauty avec notre candidate de la France, Fa, la First Lady de la France, qui nous parle de son problème de peau très très délicat et qui commence à trouver des solutions. Vous allez voir une nouvelle vidéo de Fa et comment est-ce qu'elle est en train de changer et comment est-ce que son problème évolue. Elle me le dira. Donc, alors j'ai deux nouvelles pour vous, une bonne et une mauvaise. J'ai deux nouvelles pour vous. Une bonne et une mauvaise. Bonjour, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va par la grâce de Dieu. Au fait, je suis très contente vraiment de partager cette émission avec vous, notre émission de Brunch Beauty. Donc, je suis vraiment très contente de partager mon routine beauté avec vous. Donc, le but de cette émission, même, c'était de partager avec vous, de partager tout ce qu'on fait, tous les produits qu'on utilise avec vous, pour que vous puissiez regarder comment l'évolution des produits qu'on utilise. Alors, avant de passer à Fa, nous allons d'abord revenir sur le sujet de Macari Gélule, dont je vous ai parlé la dernière fois. Par rapport à Macari dont je vous ai parlé la dernière fois, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est que Macari Gélule n'a pas de pores. Voilà, c'est ce qu'ils m'ont dit parce que je les ai contactés. Par contre, effectivement, ça contient de la gélatine, mais la gélatine de bœuf, c'est qu'ils m'ont dit. Alors, la bonne nouvelle, c'est que si vous êtes musulman ou juif, voilà, vous pouvez toujours consommer le Macari Gélule. Par contre, si vous ne mangez pas de viande animale, alors Macari Gélule, c'est pas pour vous. Donc c'était la nouvelle du jour. On est tout content et on peut continuer. Alors on va suivre Fa dans son aventure. S'il vous plaît, votez pour les candidates, votez pour elles, votez pour nos First Ladies parce qu'elles partagent avec vous leur expérience, ce qui est très rare dans la cosmétique africaine. Alors elles méritent quand même des encouragements. Votez, les liens sont en bas de la barre de description, également les liens de commande et tous les autres liens. Cliquez juste sur la barre de description, vous verrez toutes les informations utiles dont vous avez besoin. On se dit à la prochaine et merci. Donc, je suis vraiment très, 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 très contente et je tiens aussi à remercier vraiment Ricky Ewad parce que je ne sais pas, mais c'est un miracle. C'est un miracle, je vous dis, parce que moi, j'ai pu consulter beaucoup de dermatologues ici en France pour le problème de ma peau. Beaucoup, beaucoup de dermatologues, ils m'ont donné des médicaments, les trucs que je bois, les trucs que je me lave, j'utilise. J'ai même fait le UV pendant 7 mois pour le problème des démangeaisons sur ma peau, mais rien, je n'ai pas trouvé de solution. Donc, heureusement que j'ai trouvé Ricky Ewad, vraiment c'est un miracle, je tiens vraiment à la remercier, c'est un miracle parce que pour le moment je commence à avoir des solutions de ma peau.
ma peau commence à devenir, les taches qui sont sur ma peau commencent à disparaître, commencent à devenir un peu marron, des trucs comme ça. Donc par rapport à tous les produits qu'elle m'a conseillés avec les utilisations qu'elle m'a donné, parce que chacun a sa, a son problème de peau, chacun a son problème, elle a... Chacun a sa manière d'utiliser son produit, donc pour moi vraiment c'est top quoi, c'est top du top, parce que je n'ai aucun problème secondaire, je n'ai, depuis que j'ai commencé à utiliser ce produit, je vois que des bons résultats, donc je vous conseille d'adhérer à cette émission, c'est bon, vous allez trouver votre solution. Si vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas à nous poser toutes les questions que vous voulez. On est là pour vous. L'émission, c'est pour vous. C'est pour nous, c'est pour vous. Donc, c'est pour nous toutes. Donc, n'hésitez pas à nous poser des questions. Si vous avez des questions ou autre chose à nous demander, vraiment, n'hésitez pas. On est là pour vous. Et votez pour nous aussi. Votez pour nous. Votez pour moi, Fa de France. Donc, votez pour moi. Je vous demande de voter pour moi. Merci. Au revoir.